Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition à d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font la une de l'actualité. C'est un incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Un individu balance sa bouteille de bière par la fenêtre d'un autobus. Celle-ci finit sur le pare-brise arrière d'une voiture dans laquelle se trouvait un nourrisson. Le mystère demeure autour de la disparition en mer de 4 pêcheurs à la Gaulette. Portés manquants depuis le 31 août, ils ne donnent toujours pas signe de vie. Entre-temps, 3 maisons ont été perquisitionnées dans le cadre de cette affaire. Fini les vacances, petits et grands reprennent le chemin de l'école demain. Après 2 semaines de congés scolaires, ils sont nombreux à avoir choisi de se rendre à la plage pour ce dernier week-end de vacances. Reportage dans cette édition. Aux États-Unis, des gorilles du zoo d'Atlanta ont été testés positifs au coronavirus. Et puis, culture, après 2 ans d'absence à cause de la crise de la COVID-19, Danse avec les Stars revient sur TF1. Une sortie familiale qui vire au cauchemar pour les Jaggarnaths. Ces habitants de Beaubassard se rendaient à Port-Louis en voiture en début de soirée. Ils devaient célébrer un anniversaire dans un restaurant, mais à hauteur de Valigi, un individu qui consommait de la bière dans un autobus a jeté la bouteille vide à travers la fenêtre et celle-ci est tombée sur le pare-brise arrière du véhicule, le faisant voler en éclats. Le chauffeur ainsi que le receveur ont dû immobiliser l'individu en attendant l'arrivée des policiers. Tu veux boire. Un gars avait un bouteille à bière, un bao. On va même penser que le pare-brise est écrasé. Comme Maurice, tu vois, commence à crier, le pare-brise est écrasé. Mais ça veut dire que Maurice, du monde qui a boire, il a bu ça, il a la sécurité, il a la sécurité. Il a le tour, il a la sécurité à serre. C'est ça, on fait rager plus comme ça. Là, on commence à tromper. On trompe, on klaxonne, mais je pensais que c'est une tape à moi. Je me suis dit, c'est une tape à moi, klaxonner, moi, klaxonner. Là, quand même, du monde, j'ai ça. Ça me fait une crasse dans le tout. Là, ça a été validé. Là, nous viens chez là, nous téléphonons à la police, sachant 999. Nous sommes ici là. On a causé avec les Michou, vous êtes à bouteille là. Oui, il y a deux, mon pote Neski, mais pas de problème ça. Pas de problème, ça me fait sachant. Regardez là. Mon pote Neski, pas de problème ça, mon pote Neski, mais c'est rien, c'est rien. Mais l'hôtel, il n'était pas pour moi. Et moi, elle fait de la famille, elle fait de garder. Un petit bébé de 18 mois. Et mon époux et ma maman. Mon bébé est sûr que ma maman est sûre que tu fais bébé boire. Il fait bébé boire, c'est du lait. Et là, Philippe, tu fais déjà les bourrons en bourse. Les bourrons en bourse, 10 000 roupies, il y a 10 000 roupies. C'est rendement, ok. Mais c'était pas pour moi, ça m'a bizarre, ça a été même. Mon bizarre, ça a été même. Le dollar pour qui? Ouais, maintenant, il prête moi. Il prête moi. Philippe, ça avec lui. Mais je l'ai venu, il y a un temps, mais finalement, c'était de même, Denis. Oui, je suis dans le bus. Ils prennent sur la bière au contraire. Moi, je dis qu'ils vont prendre sur la bière, là, ils vont boire avec toi. Ils prennent l'île, ils passent pour boire. Comment arrive la montée validée, ils prennent sur la bière, ils quand ils étaient, ils tapent avec ça. Monsieur sur pare-brise pour dire. Au contraire, il y a des enfants, l'autre sont là. Ils arrivent devant. La police, ils nous fait ce procédure. Non. Au fait, je ne trouvé pas. Mon monsieur là, on est tapage. Les là, ils commencent à l'actionner. Les là, nous arrêtons devant, obligés. Les monsieur viennent devant, les là, ils font souvent procédure. Il tient un peu sous, hein. Oui, il tient un peu là. Petite rivière. Petite rivière. Il montait petite rivière, il faisait descendre Valérie. Au fait, nous, moi, Sophia, Fait divers toujours, cela aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Une fillette de 18 mois a été transportée d'urgence par sa mère à l'hôpital du Nord hier soir après que la petite a avalé accidentellement une certaine quantité de vernis à ongles. Et c'est du moins ce qu'a affirmé sa mère âgée de 39 ans et habitant Grand Gaube aux policiers affectés au poste de police de l'hôpital. L'incident s'est produit au domicile familial. Après des soins, la petite a été admise en salle. Son état de santé est jugé stable. Un jeune de 17 ans se retrouve à l'unité des soins intensifs de l'hôpital du Nord. Leroy Brass, en moto avec son père, ont été impliqués dans un accident de la route à Grand Gaube. Le deux-roues est entré en collision avec une autre motocyclette. Celle-ci était pilotée par un homme de 24 ans. Les circonstances de l'accident sont encore floues. La police de la localité a ouvert une enquête. Moi, je devais aller, comment dire, dans la route Nelson, ouais, puis là, Saint-Michel. Vraiment, comme je suis aussi, comme mon fils aussi, moi, je ne sais pas comment on est arrivé. Il vient dans mon lane. Finalement, moi, je vais renégocier moi aussi, trop limite. Il finit par directement dans mon flanc, dans mon débouché. Après, là, mon garçon finit projeté devant lui. Il est tombé, on a arrêté en place. Parce que là, il finit par moi. Quand on veut débousser, sa vitesse sa mousquette vient une tape en lit derrière. Et là finalement, on a gavé, on a camarade, on a un camarade de poste, on a passé mon résident de l'endroit, on a habité dans le problème. Bon, quand ça, il peut une crasée. Et on a allé là, enfin, on a traumatisé là, on veut dire mon garçon comme ça là. Et là, finalement, on finit rapporter à la police, on finit faire tout bonne affaire qui est nécessaire, on fait qu'on se l'amiable, tout finit faire tout correct. Il faisait alimenter avec une seringue. Oui, il faisait mettre tout cela, mais enfin, mon garçon est dans un état très déplorable dans ce moment. Demain de l'après-midi ou bien demain soir, il va faire l'opération sur ses genoux parce que sur ses genoux, il avait une endommagée. Et la disparition de Giovanni Jackson, Sacha Duval, Francesco François et Damien Désiré demeure un mystère jusqu'ici. Il n'y a aucune trace des 4 pêcheurs disparus à la Gaulette le 31 août dernier. Entre-temps, la brigade anti-drogue a perquisitionné 3 maisons à Grand Gaube et une à Baie-du-Tombeau et 3 pêcheurs habitant Grand Gaube ont été interceptés sur leur bateau en mer si rien de compromettant n'a été retrouvé en leur possession ni à leur domicile. Les enquêteurs sont intrigués car il n'y avait pas de poissons sur leur bateau. Lors de l'intervention policière, aucune piste n'est négligée. 187 nouveaux cas de la COVID-19 ont été enregistrés. C'est ce qu'indique le dernier communiqué du ministère de la Santé émis ce dimanche. Seuls 2 patients ont été admis à l'hôpital INT à Vakua. Les autres sont asymptomatiques. Il faut savoir que depuis mars 2020, 1% de la population a été infectée par le coronavirus. Et concernant la vaccination, jusqu'ici, environ 780 000 personnes ont reçu leur 2 doses à 2 vaccins. On se retrouve après la pause pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons, nous courons. Nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Brent Spicers, présent, plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en Saban Savela. Nous avons envoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique près que tout. Eagle Brand, The Spice Master. Fini les vacances nombreuses sont les parents et enfants qui ont pleinement profité de ce dernier week-end avant la rentrée des classes. Vous le savez, ce lundi sonne le début du deuxième trimestre. Ce deuxième trimestre s'étalera jusqu'au 17 décembre prochain. Ainsi, avant de reprendre le chemin de l'école, parents et enfants se sont rendus à la plage histoire de se détendre pour entamer la reprise comme il se doit. Mima Omir, un homme de Kia. On a demandé avant de profiter un petit coup la plage, puisqu'il joue du 5 jours férié. Mais pour le cave, récupérer pour le lundi, pour la rentrée. Et j'espérais que tout le monde soit happy pour la rentrée. Parce que tout le monde soit fatigué dans la case. Même nous fatiguons, nous fatiguons les autres. Parce que rien à faire. Enfin, les enfants sont toujours contents de loisirs, contents de l'école, contents de tout. Mais là, nous venons détendre, nous, un peu. En famille, à la plage. Il y a une tradition, ça faut avant l'école rentrer depuis la plage avec la famille. Oui, parce que nous habitons à Tamarin. Nous gagnons sa facilité, la plage devant nous là, nous profitons. Parce que, enfin, les raisons qui nous gagnent la chance, ça pas tout le monde qui gagne sa chance, mais nous profitons. Moi, je viens de la mer pour un petit moment de détente, parce que mon garçon, pour rendre à Chessy, on connaît mon poids cheval ensemble avec lui pour le quitter sur les sons, pour le cesser les sons. Mais... À quel endroit au Sochi hein? Phoenix. Sochi Phoenix. Ou souvent ou ça qui fait on s'agit à moi habité vin flic en flac souvent. Mais aujourd'hui mon envie explore mine bouille dans Tamarin. D'accord. Tout le temps, c'est une tradition pour avant l'école rentrer ou amener nos enfants au loisir. Oui. Parce que le cinéma fermé, c'est une seule place qui nous peut nous détendre, nous ici. D'accord. Et quand on trouve l'atmosphère, la plage, comment vous sentez-vous? Bien. Senti bien calme, chacun peut enjoy son life. En tant que parent, donc c'est une autre grande responsabilité qui peut atteindre nous la porter à l'un. Voilà. Surtout que moi, j'ai un enfant, puis à la primaire, dans Forme 2, et dans HSI. Moi, des petits filles à l'université et que je peux aller la semaine prochaine. Mais on peut profiter le moment ensemble, quoi. Des week-ends, les enfants rentrent l'école mardi. Et on profite même de sortir un peu. Et allez là. Je vais profiter là, non, ouais. Je vais profiter, vous avez une... Quand la pêche, même une séance, un coup. Ouais. Parce que capable la paix. Ouais, les petits bloqués pour tout, mais là, ils viennent ouvrir. Nous profitons de venir ici. Direction les États-Unis, où plusieurs gorilles du zoo de la ville d'Atlanta en Géorgie ont été testés positifs au coronavirus. Les animaux des gorilles de plaine de l'Ouest avaient subi des tests après que des soigneurs les ont vus tousser et présenter d'autres symptômes. De premiers tests ont montré qu'ils étaient positifs au virus SARS-CoV-2 qui provoque le COVID-19 et des résultats de tests de confirmation en sont attendus. Et parlons culture à présent. Le vendredi 17 septembre, TF1 va diffuser le premier prime de la nouvelle saison de Danse avec les Stars. Après 2 ans d'absence à cause de la COVID-19, Danse avec les Stars reprend ses droits. Du côté du jury, là encore, cette saison marque une rupture puisque Jean-Paul Gauthier, Denitsa Ikonomova et François Alu rejoignent le juge historique de l'émission. l'émission Chris Marques. Quelques jours avant la diffusion du premier prime, TF1 a dévoilé la bande-annonce de son programme phare. Les téléspectateurs ont pu avoir la preuve formelle des candidats de cette nouvelle saison qui s'annonce déjà très disputée et d'un niveau particulièrement élevé. TF1 a choisi de faire confiance à Lucie Lucas, Aurélie Ponce, Moussa, Jérémy, Crédville et Lola Dubé, la chanteuse Lame, le comédien Jean-Baptiste Monnier, le youtubeur Michou, les chanteurs Tyke, Weshden, Bill Alassani et la mannequin américaine Dita Von Teese. Et sport, tennis, Emma Raducanu, à 18 ans, parachève son compte de fées en remportant l'US Open, la Britannique entre donc dans l'histoire en devenant la première joueuse issue des qualifications à s'imposer en grand chelem. Emma Raducanu a remporté dans la nuit de samedi à dimanche la finale de l'US Open féminine en s'imposant face à Leila Fernandez en 2-7, 6-4 et 6-3. La finale masculine se joue ce soir entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Le Serbe Djokovic n'a plus qu'un match emporté pour réaliser l'exploit de gagner les 4 témoins majeurs la même année, l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition.